Bonjour à tous, c'est Livia. On se retrouve sur Football Manager 2019. Du coup, j'ai fini ma saison avec le FC Nantes. Maintenant, on fait celle avec le. On continue plutôt celle avec le Barcelone. Donc, c'est parti. Donc, on en est à notre deuxième match de la Ligue des Champions. On va jouer contre Schalke. Donc, consigne automatique, on part en assuré, tac 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 tac, bonne chance ce soir, faites la différence, pourquoi je suis en, non c'est en 4, oui je suis en 4-4-1, mais je comprends pas, là où il marque 3-4-3, donc bon. On retourne à la causerie, fin de la causerie, et on est parti. Allez, on rentre sur le terrain. Coup d'envoi pour Schalke. Tacle de Vidal là. C'est Nando sur Munir, c'est Nando Rakitic qui passe à Messi, Munir, ça se mélange un peu là. Oh là là, il y a un méli-mélo là. Segando récupère, c'est Mendo récupère, il balance derrière sur Sergio, c'est Mendo, Sergio, Rakitic, Vidal sur Coutinho qui marque son but. GG Coutinho, impeccable Coutinho. Impeccable. Premier but pour Barcelone. Impeccable. Corner. Coutinho. Balance derrière à Alba. Sergio. Ah, perdu la balle. Ouh là là, ça contre vite. Oh, joli arrêt. De mon gardien que je ne connais plus son nom. Rakitic. GG défense de Rakitic. Donc mon gardien, c'est... Silesson, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et nous avons Coutinho qui est blessé. Le mollet. Ah là 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 là. Donc du coup, on va faire entrer Malcolm à la place. Nous sommes à la 17e minute. Jolie défense, mais on n'a toujours pas récupéré le ballon. Faute ou hors-jeu, je sais plus. Alors, corner de Messi sur Sergio Rakitic. Ça s'est joué très rapidement. Rakitic d'autre côté sur Malcolm qui redonne à Rakitic qui recentre à Alba. Vidal, Alba taclé. Oh là là, deux joueurs taclés là, il n'y a rien. Alba, Vidal, Rakitic qui renvoie sur Alba, centre, sur Rakitic et tire au-dessus. Oh là là, Rakitic. Rakitic, coup franc. Et but de Ivan Rakitic. Magnifique, je le voyais pas dedans. J'ai été surpris, je le voyais à côté, regardez. Quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il est vraiment à côté. L'impression qu'il part à côté, je suis impeccable. GG à eux. Donc on va les féliciter. En espérant qu'on fasse pas une boulette. Non, ça marche. Ils sont gonflés à bloc. Nickel. 2-0 pour le Barça. Alba, Munir, Malcolm, Vidal. Vidal, il s'est troué là. Il devait loucher un peu trop sur la droite. Bah écoutez, pour l'instant, deux matchs. Oh, le but de Naldo. Magnifique coup franc.
Magnifique coup franc quand même, bien tiré. Le gardien est dessus, mais alors le tir était tellement fort que ça nous a relevé le filet au fond. Ah là là. Bon bah pour l'instant toujours 2 victoires en Ligue des Champions dans ce groupe H, donc nous sommes premiers. Naldo est à la baguette, ouais, il faut un peu plus de pressing. Pas mauvais ce Naldo là, ce défenseur décédé. C'est ce qu'il écrit, décédé. Hein, excusez-moi. Je vais regarder sa fiche. On va jeter un petit coup d'œil à sa fiche, Ronaldo. Je le connais pas. C'est un Brésilien. Ah bah si, donc tu m'étonnes qu'il soit pas mauvais. 1,3 million de valeur. Il vaut rien. Mais il est pas cher. J'en ai besoin. Écoutez. Hein? 1,3 million, on va voir si c'est ce qu'il vaut. Ouais, ils veulent 1,6 million. Oh, on a 5,9 millions acceptés. J'ai besoin de défenseurs latéraux, donc surtout que j'en ai déjà 2 de blessés. Donc du coup, ça serait pas mal. Donc vestiaire, on va essayer de les encourager. Donc on va être véhément. Ça c'est pas. Hop, vous êtes capable de faire mieux. Ouais, dégageant, est-ce que t'as quelque chose à se dire? Non. Par contre, la tactique, ça me va pas. Normalement, je suis en 4-1-1-1. Pourquoi? Il me dit que je suis en 4. Bon. Là aussi, là, il me dit que je suis en 4. 1, 3, 1, 2, 3. Alors que je suis en 4-1, 4-1. On va peut-être modifier quelque chose aussi. Bon, c'est reparti pour la deuxième période, Baba. Oh là là, Schalke, hein. Oh là 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 là. Ouf. Donc je joue en positif avec le. En mentalité positive avec le Barça. Corner de Messi. Repoussé, c'est Mando à la balle. Il envoie sur Alba. Alba, 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 toujours Alba. Il remonte. Vidal, Rakitic. Repoussé par le gardien en corner. Que Messi va tirer. Messi sur Vidal au-dessus. Donc du coup, on va revenir vite fait aux consignes. Ah non, attendez. Ah, il y avait un truc, mais. Non, ça c'est les mentalités. Moi, c'est ça que je veux. Voilà, donc je joue. Je veux qu'on. On veut pas de centre. On joue le ballon dans les 16 mètres. Et on envoie loin devant. Transition, par contre, je vais faire un regroupez-vous. On contre. Et on joue sur les flancs. Ok, c'est parti. Du coup, c'est parti. Nous avons Rakitic qui était à bonne note et Vidal aussi. Baba, oh là 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 là, ça a été le. Jordi Alba est exténué, remplacé rapidement. Il reste combien de pourcents il est? 64? Non, il peut continuer. Oh là là, oh là là, ouf. Belle parade de Sean Nelson. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai pas trop vu ce qui s'était passé là. Donc voilà. Rakitic sur Messi. Messi qui arrive à faire une tête sur un corner. Impeccable. Pourtant, il a une petite taille. 60 minutes de jeu. Du coup, là, on va faire un remplacement. Donc, Alba et Carbo. Donc, j'ai acheté Lucas Lima parce que Alba était le seul défenseur gauche. Et Lima au FC Nantes était impeccable. Donc du coup, j'ai dit, allez, on le fait aller au Barça. Donc on remplace Alba par Lima. Huit-trois de notes pour Rakitic et 7,4 pour Vidal. Je n'ai pas Suarez devant, car il est blessé.
Et Coutinho, mon buteur, est sorti tout à l'heure blessé. Semedo, Munir, Rakitic, tir de Rakitic. Stoppé dans les bras du gardien. Donc ils vont jouer apparemment avec trois attaquants. Segundo est blessé, mais c'est magnifique. Mais dites-moi, faut que j'aille dans tactique parce que j'ai personne pour remplacer Semedo. Ouais, je vais être obligé de mettre un défenseur qui n'est pas bon. Bah, les tuiles commencent à arriver. Du coup, j'ai plus du tout de défenseur droit. Ils sont tous blessés. Magnifique. Donc il va falloir que j'en prenne quelque part. Ou que je regarde dans le... En réserve, s'il y en a. Dans l'équipe B. Babac la balle, centre. C'est bon, mais renvoyé sur un joueur de Schalke. Rudy. Je veux que ça sorte là. Mais renvoyez pas la balle sur eux, nom de Dieu. Et oh là là, belle parade. Belle parade quand même. 82e minute de jeu, il reste 8 minutes, 7 minutes actuellement, dans le temps réglementaire. Rakitic est averti, qui fasse attention. Rakitic coup franc au-dessus. 4 minutes de temps additionnel, nous a dit l'arbitre de touche. Malcolm qui envoie sur Munir, centre de Munir, bah, qui trouve un défenseur choc. Oh là là, oh là là, oh là 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 là, la boulette. Oh la boulette de boulette. Énorme faute de Piqué. Regardez-moi ça, Piqué. Qui envoie au gardien, mais c'est tellement mal fait que le gardien est obligé de renvoyer de la tête. Et les attaquants bah, de Schalke hein, étaient là. Énorme erreur de Piqué. J'aurais préféré encore qu'il la mette en touche plutôt que qu'il la renvoie au gardien. Piqué, Messi, Messi. Oh, Messi qui cadre pas. Il reste 10 secondes, hein. Donc c'est râpé. On finira sur un nul, à mon avis. Mais Piqué, arrête de jouer avec le gardien. Là, j'ai pris un à cause de ça. Tacle sur Messi, touche. Fin du match, bah, de partout. Hein. Du coup, on va au vestiaire. Et déjà, on va faire la causerie. Donc, on va rester calme. Donc, je vais dire comme en un mot comme ça, c'est très insuffisant. On aurait dû le remporter. Piqué, viens ici, mon poteau. Leader de l'équipe, ouais, mais je vais te faire une petite causette. À part une motivée. Donc, on va devenir agressif. Non, on va rester calme quand même. On va rester calme. On sait jamais, il faudrait pas nous le mettre. Et pas du tout apprécié ce que j'ai vu aujourd'hui. Bah ouais, t'es mécontent, mais bon, voilà, tu fais une passe en retrait au gardien en hauteur en plus, il est obligé de faire une tête. On prend un but par ta faute. Méfie-toi qu'il n'y ait pas un avertissement. Donc voilà. Donc on va voir Coutinho blessé. On a pour 3 jours, donc ça va. Semedo 2 jours, donc ça va aussi. Conférence de presse, on envoie l'entraîneur adjoint. 900K euros pour le Barça pour son match nul face à Schalke.
Rakitic a fait une forte impression. Oui. Coutinho aussi. Donc l'offre pour Naldo a été acceptée. Donc on finalise l'accord. Il est d'accord, il est vert. Donc il est un peu vieux Naldo. Mais j'ai pas trop le choix là. On va regarder tout de suite les tactiques, mais je pense que j'ai pas grand chose en. Voilà, vous voyez. Semando qui est là. J'ai que Semando ou Sergio Roberto. Ils sont tous les deux blessés. Donc j'espère qu'on n'a pas un match dans les 3 jours. Sinon, je n'ai pas du tout de défenseur droit. Et à gauche, il nous reste Lima. Défenseur gauche. Donc, et Alba sera rétabli, lui, donc c'est bon. Donc à gauche, on est bon, mais c'est à droite que ça va pas. En ailier, Coutinho est blessé, mais il devrait être rétabli. Au pire, on a Ousmane d'emblée qui est pas mauvais du tout. Et au pire, vraiment, au pire, on a Suarez, Denis Suarez. Voilà. Donc du coup. Sergio Roberto, on a Luis Suarez qui est encore blessé pour 6 semaines. Donc voilà, ça va être compliqué parce qu'on n'a plus du tout d'attaquant, on n'a plus que Munir. Bah on a Messi, hein, on est encore dans l'équipe, donc ça devrait le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre des gros pouces bleus et à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour suivre la suite de cette saison avec le Barça. Je vais vous montrer vite fait le calendrier. Vous voyez, il y aura pas mal de matchs. Et on a encore un match tous les 3 jours, quasiment on a un match de coupe, donc il y aura de la vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Bon jeu à vous. The bass drum, the groove.